bribe yourself. You do okay. Kate? Vous me connaissez? Mais tout le monde sait que vous êtes la fameuse journaliste du journal local. Ah, mais moi aussi, j'ai entendu parler de vous. Teddy Faust, sans doute. Je n'essaierai pas de dire le contraire, surtout à un grand reporter. Oh, c'est ravissant. Ici, un endroit de grande classe. Dès l'entrée, on se sent tellement bien. Merci, c'est très gentil. Attendez seulement d'avoir goûté notre cuisine. Vous pourrez en parler à vos lecteurs. Oh, ça, je le ferai. Zev doit être au bar avec Judy. Il vous parlera de crédit, de débit, de balance, de toutes ces choses ennuyeuses qui, je vous l'avoue, ne me donnent aucun plaisir. Je vous reverrai dans la soirée. Kate, tu es là. Comment va notre journaliste oh, de bien. Sorte Oh, tu as maigri, on dirait, tu as changé. Oh, peut-être un peu, oui, mais tout va bien. Tu sais, les comptables se font du souci, c'est bien connu, ils se rongent la santé. Assieds-toi. Merci, ça fait un bout de temps que tu as quitté le journal, dis donc. Ah, ça va faire près de 2 ans, oui, pas loin. Oh, excusez-moi, je lui dis ma femme, Kate Colombo. Très ravie de vous connaître. Tu sais, Zef, c'est un magnifique restaurant. Si vous servez une cuisine aussi épatante que, comment dire... que... L'ambiance. Voilà, c'est le mot juste, chérie. J'adore la précision. Tu es bien comptable. Pour finir ce que je disais, tu as là un restaurant sensationnel. En tout cas, ici, personne n'aura un Bordeaux de cette qualité. Oh, un mouton Rothschild 61. Ok, j'ai quelque chose à te montrer. Chérie, tu nous excuses une minute. Oh, il est autoritaire. Et encore, là, vous ne voyez qu'un petit échantillon. Kate, c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux diriger ton cabinet et en même temps ce restaurant. Ah, je n'ai plus le cabinet d'expert, je l'ai vendu, oh, je n'ai plus rien d'autre. Tu as vendu ton cabinet? Parfaitement, oui, je n'ai plus que ce restaurant pour en sortir. Ou je réussis, ou je coule. Et je t'assure que c'est ici que je suis bien, Kate. Toute ma vie, j'ai rêvé de devenir un vrai restaurateur. Je suis contente pour toi, Zef. On servira de la grande cuisine, du grand art. Et je t'assure que nous avons une chance de devenir un de ces jours le plus réputé, le plus fameux restaurant du continent. Et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je viens d'accomplir quelque chose de grand. Je savais que tu n'allais pas bien. Qu'est-ce que tu as? Rien. Un malaise, c'est rien du tout, ça va passer. Ne te fais aucun souci, c'est déjà passé. Alors viens, entre, je vais te présenter le pilier de la maison, le chef de cuisine, une vraie perle. Alors, ça marche les enfants? Pas de problème, on dirait. Magnifique cette sauce. Ma chérie, tu es merveilleuse. Oh, tu dis arrête, j'ai des tas de choses à faire, j'ai pas le temps. Mais il s'occupe de tout, tu n'as qu'à leur donner des ordres. Personne ne songerait à m'en vouloir d'être amoureux d'un chef de cuisine aussi ravissant que toi. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Mieux vaut ne rien dire. Je m'excuse de vous interrompre, mais... Denise, cuisinière, Kate, journaliste. Très heureuse. Moi aussi. Denise est l'épine dorsale de notre restaurant, son pilier. Vous semblez assez surprise, Kate. Oh, oui, je m'excuse, mais c'est que vous avez l'air d'être si jeune. Oh, elle est bien jeune, oui, mais c'est une artiste. Académie gastronomique et puis apprentissage chez Laurent. Je vous conseille son canard à l'orange, vous verrez. C'est vraiment formidable, une vraie perle. Méfiez-vous de lui, Kate, c'est un danjouleur. Et je suis sûr que vous aimez bien tête comme il est. Oh, oui. Est-ce que tu ne te sens pas bien, Kate? Oh, je respire des quantités d'odeurs et je suis là à attendre. Je défaille, moi. J'ai envie de goûter à tout ça. Allons-y. En attendant, je te montre ma voiture neuve. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Tu vas voir ça. Oh, regarde ce bijou. Ça, alors, c'est étonnant. Une merveille de mécanique. Tu vois, tout finit par arriver un jour ou l'autre. Il suffit d'attendre. J'ai tout ce que je voulais avoir, Kate. Je peux dire que j'ai la chance d'avoir tout d'un seul coup. Je me suis toujours... Mais qu'est-ce que tu as? On devrait aller prendre l'air. Viens, qu'est-ce qui se passe? Oh. J'ai mal, j'ai... Respire. Attends. Le Bordeaux. Je suis sûr que c'est la bouteille de Bordeaux. Je ne comprends pas, Zef, qu'y a-t-il? Il avait un goût. Oh, mon Dieu, Zef! Allons, Zef. Qu'y a-t-il? Oh, mon Dieu. Teddy, qu'on appelle une ambulance, il est mourant. Qui donc? Pas Zef? Mais si, c'est lui, il a l'air mourant. Je sais pas ce qu'il a. Oh, mais où est-il passé? J'ai laissé là, il n'y est plus. Et l'autorouge a disparu aussi. Oh, sens. Oh. Ça n'a rien de drôle, Kate.
Il s'est relevé, il est parti. Mais ce n'est pas croyable, je venais de le quitter, il était malade, j'ai cru sa dernière heure arriver. Alors que faut-il faire? Bah, je voudrais bien le savoir. Et moi donc? Combien de temps êtes-vous sorti? Oh, 30 secondes, pas plus de 40 en tout cas, j'en suis persuadée. Et c'est pas envisageable que Zeph ait pu... Non, Mike, quelque chose a dû se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon mari? Le sergent Mike Warrick de la police, Judy Arnaud. Madame? Kate, que s'est-il passé? Dites-le-moi. Nous cherchons à le découvrir, Madame Arnaud. Mais où a-t-il pu aller? Jamais personne ne disparaît sans rien dire. Je voudrais qu'on me dise ce qui s'est passé. Nous ne savons pas encore. Quel est le signalement de votre mari? Ce serait utile. Mais laissez-la, avec ça, je vous donnerai ces petits détails. Bon, c'est entendu. Je vais faire passer un avis de recherche et nous vous tiendrons au courant. Venez, Judy, rentrons. Je vois pas de raison de dépenser 300 dollars. Joss, il faut que nous sachions ce qu'il y avait dans le vin. Tout repose là-dessus. Mais les flics sont payés pour faire ces analyses. Oh, personne ne le fera. Il n'y a aucun indice qui laisse croire qu'un crime ait été commis hier soir. Devinez qui m'a appris ça. Où allons-nous, Kate, si chacun de nous se met à faire ça? Quelqu'un vient d'apporter cette facture du labo. Il nous réclame 300 dollars. Vous avez osé? Cette bouteille contient une grosse dose d'escodencoline. Au moins 14 grammes. Hein? Elle n'avait pas que des copains, notre amie. On dirait, oui, ce truc-là s'élimine en quelques heures. N'importe quel médecin qui ferait l'examen du corps en admettant qu'on le trouve dirait que c'est une mort naturelle. Asphyxie, accident cardio-respiratoire, voilà tout. C'était un meurtre. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Sinon, il serait sûrement revenu, déjà. Il a été mon comptable pendant 3 ans et je n'ai jamais douté qu'il soit un gentil garçon. Qui pourrait vouloir le tuer? La personne qui lui a donné le Bordeaux. Et il se trouve que c'est son nouvel associé, Teddy Faust, si j'en crois ce qu'a dit le sommelier. De toute façon, ce vin était de 61, un mouton Rothschild. Émettre un poison qui est capable de gâcher un tel nectar, c'est scandaleux. C'est criminel. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? C'est plus qu'urgent, ça devient impérieux. Je me cache derrière Teddy Faust depuis 2 jours déjà. Sa voiture est de l'autre côté de cette rue. Et alors? L'appartement n'est pas loin. Mais ça n'a rien de curieux. Bah oui et non. Il y a une Porsche garée à côté. C'est celle de Monsieur Teddy Faust. Et cette voiture rouge là-bas est celle de Judy Arnaud. Oh, ça va devenir croustillant. Ça fait 2 ans que ça dure, d'après ce qu'on m'a dit. Ça n'a rien à un crime que je sache. Vous croyez? Zeph Arnaud disparaît sans laisser d'adresse et vous ne voulez toujours pas croire à mon histoire? On a déjà eu au moins 100 fois ce genre de conversation, tous les deux. Tout ce que vous avez, c'est une personne disparue depuis 48 heures, c'est tout. Mike, le Bordeaux a été empoisonné. Ce ne serait pas, selon vous, un indice important? Aujourd'hui, nous surprenons ces deux-là. Est-ce que vous ne voyez toujours pas quelque chose à l'horizon, sergent? Mais si, pour moi, c'est important, et pour vous aussi, mais pas question d'aller en parler maintenant. Il n'y a aucun indice qui laisse penser qu'un crime a pu être commis, c'est la loi. Celle-là, allez rechercher. Tu appelles le central, hein. Je vais jeter un coup d'œil en attendant. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Comment rien du tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien. La carrosserie a été nettoyée par un spécialiste. Aucune empreinte, même pas sur le volant. Et elle est ici depuis quand, cette voiture? Depuis vendredi soir. Je l'ai demandé au gardien de l'usine. Il l'a remarqué à 2h du matin. C'est le soir où Arnaud a disparu, Mike. Oui, je sais. Mais ce qui est surprenant, c'est que depuis qu'elle est ici, personne ne l'ait déjà mise en pièce. Dans un quartier pareil, c'est rare. Ça prouve peut-être qu'on sert à quelque chose. Pas la peine de faire cette tête. Autant qu'on le sache, Arnaud est monté dans sa voiture et il est parti, c'est tout. Mais ça arrive tous les jours. On va acheter des allumettes et on revient plus, voilà tout, non? Sûrement pas, Mike. Les toutes dernières paroles qu'il médite, c'était tout fini par s'arranger comme je voulais. Il m'a dit, je me sens heureux, Kate, comme je ne l'ai jamais été. Oui, on dit ça. Mais vous oubliez, Kate, que vous connaissiez Arnaud. Il se peut bien que votre jugement soit faussé.
Si vous avez découvert que sa femme le trompait, peut-être le savait-il lui aussi. Oh, et alors, où est la différence? On n'a pas de corps, pas de meurtre. Pas d'indice, donc pas d'enquête. Ça donne au contraire des tas de raisons d'avoir des doutes. C'est peut-être de ce côté qu'il faudrait chercher la solution. Il n'y a pas de corps, ni aucun indice. S'il n'y a aucun indice, alors on n'enquêtera pas. Et c'est sûrement ce qu'a recherché notre meurtrier. Nous avons affaire à quelqu'un de malin. Attention. Que désirez-vous? J'ai un merveilleux vin, ça vous plairait? Je n'ai rien contre. Dites-moi, quelle est votre situation dans tout ça? Que voulez-vous dire, Kate? Le restaurant, financièrement. Quelle est votre position? Que va-t-il se passer? Asseyez-vous. En fait, avec cette histoire-là, je suis dans le noir complet. C'est Zef qui s'occupait des comptes pour notre société, et moi, je reconnais que je ne sais rien de tout ça. J'ignore, en fait, où on en est. Et vous êtes bien un associé? Bien sûr qu'on est associé. J'ai mis tout mon avoir, je n'ai plus que ce qu'il y a ici. Mais j'avoue que je ne connais pratiquement rien aux sociétés et à la comptabilité. Je ne sais pas où j'en suis. Teddy, si vous dites avoir tout risqué, vous vous êtes protégé. Oh, il y a toujours évidemment une garantie. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il y a toujours un fonds de garantie. Il y a en fait un $500,000. Vous dites que... Oui, oui. Moi, j'ai apporté un quart de million, Zef a apporté l'autre. Voilà, ça fait 500 000. Ouh. Ce scénario extraordinaire. Un $500,000 vous paraît naturel et vous vous dites dans le noir complet, ben ça... Oui, je ne vois pas l'intérêt de questions pareilles, mais je suis d'accord pour vous montrer. Vous allez comprendre. C'est très simple, en fait. Vous allez voir. Voici notre contrat. Lisez-le. Ça paraît avoir été fait dans les règles. Joseph s'en est chargé. Je n'ai fait que le signer. Je suppose que c'est un contrat de type courant. Lisez-le, vous jugerez par vous-même. En cas de décès d'un des associés, le survivant obtiendra la totalité de la gestion de l'affaire à 100%. Tous les biens y afférents, ainsi que la totalité du fonds de garantie qui aura été constitué. La garantie est là pour le cas où le départ serait difficile. Ça donne du temps pour voir venir les choses. Mais vous voilà, je crois, dans une très intéressante situation. Ah, vous trouvez? Moi, je me sens plutôt pris à la gorge. Je ne sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous héritez d'une magnifique propriété, un restaurant superbe. Tant qu'on ignore si Zef est vraiment mort, je n'aurai droit à rien du tout. Autant qu'on le sache, Zef a disparu. Rien ne dit que mon ami soit mort. Oh, je constate que contrairement à vos déclarations, vous connaissez les affaires. Oh, Zef m'a expliqué certains petits détails au moment de signer. Je l'avoue. Je sais par exemple que l'argent est en sûreté. Même si je n'ai pas le droit de la sortir. Oui, pour l'instant. Exact. Ça n'a pas l'air de vous gêner beaucoup. Quoi, que Zef ait disparu? Oh, voyons. Mais si, ça m'inquiète. Ah, dis donc, ne claque pas les portes comme ça, mes souffleurs tombent. Tu te souviens de Kate? Oh, bien sûr, ça va? Bonjour. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a du nouveau? Allô, oui, Teddy Faust. Mais oui, à quel sujet? Bon, écoutez, qui que vous soyez, ce genre de plaisanterie n'a rien d'amusant et j'ai beaucoup à faire. Peut-être que si vous me le prouviez... Ce serait Zef Arnaud si j'en crois ce qu'il dit. Mais où es-tu alors? J'aimerais que tu... Mais attends! Chérie, c'est moi, où es-tu? Est-ce que tu te rends compte de ce que j'endure, moi? Où es-tu? Il a raccroché. Chérie? Bien sûr, ça fait déjà longtemps, je n'ai pas à en avoir honte. Mais elle dure depuis quand, cette petite intimité? Je t'ai dit, je ne crois pas que ça te regarde. Tu n'es qu'un hypocrite. Moi? Ce serait moi l'hypocrite. Excusez-moi, une question à poser sur le coup de fil. Oui, je suis un hypocrite, toi qui depuis 2 ans as une liaison avec Judy Arnaud. Tu ne me diras pas le contraire. Et oui, je suis au courant, tu vois. Et n'essaye pas de le nier, je sais ce que je dis, Teddy, je me suis renseignée. Excusez-moi une petite minute, êtes-vous certain que c'était bien Zef qui téléphonait? Il y avait tant que j'attendais de te dire tout ça en face, j'en mourais d'envie. Je me demandais quelle tête tu ferais ce jour-là. Oh, ce que j'ai pu espérer un pareil moment. S'il vous plaît. Oh, vous, ça suffit, arrêtez. Vous êtes sûr que c'était lui au téléphone? Mais non, je n'en suis pas sûre, je n'ai entendu personne. Ce qui fait qu'on n'a que votre seule parole, Teddy. À propos de quoi? Et que Zef Arnaud, votre associé, est toujours en vie. Je gagnerais quoi à mentir sur un tel sujet? Et
Écoutez-le, qu'est-ce qu'il gagnerait? On n'a pas eu le courage de le lui dire. Garder le secret pendant 2 ans, c'est déjà pas si mal. Ça prouve au contraire un certain courage. Que savez-vous que j'ignore? En fait, vous ne le connaissiez pas. Il fallait constamment que je rende compte. Dès qu'un homme me regardait, il en était jaloux. Il ne le supportait pas. Oh, ça, je le crois pas. J'aimerais qu'on parle sérieusement. C'était à la fois Jekyll et Hyde. Il était d'une affreuse jalousie, il se mettait dans des colères folles, et quelques minutes plus tard, il semblait regretter amèrement. Ça, je dois dire que je suis étonnée. Quand j'ai connu Zeph, il était encore petit employé au journal. Il faisait la comptabilité. Jamais il n'a eu cette attitude. C'est évident, puisque vous n'étiez rien pour lui qu'une collègue. À vous entendre, on croirait que le pauvre homme était un monstre, une sorte de dingue. C'est exactement ce qu'il était. Bah alors, il doit bien y avoir des témoins, non? Des gens qui l'ont vu en colère. Non, il était soucieux de l'image qu'il donnait. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu le voir se livrer à une de ses habituelles crises de jalousie. Sans doute le connaissez-vous mieux que moi. Il n'empêche que je voudrais qu'on me dise ce qui a pu lui arriver. Où peut-il être allé? On peut être certain qu'il est tout près d'ici et qu'il ne quitte pas des yeux ce qui est à lui. Je nage dans le cauchemar, c'est affreux. Je pense qu'il est capable de faire des tas de choses. Quel genre de choses? Des choses insensées. Ah bien, ça doit être un sacré comédien. Je dois reconnaître qu'il a beaucoup de talent pour paraître ce qu'il n'est pas. Il sait y faire pour dissimuler sa véritable nature. Vous permettez que je regarde? C'est de la publicité. On loue un local dans cet établissement. Nous y entreposons certaines marchandises. Est-ce que personne ne vous en a fait mention ces jours-ci? Je suis sûre que les policiers ont dû vous en parler. Non, pourquoi? Et parce que c'est devant cette maison qu'on a retrouvé la voiture de votre associé. Attendez, nous louons une chambre froide chez Blick. Où serait le rapport? Peut-être n'y en a-t-il aucun. Mais il y a un moyen d'en être certain. Alors, ça y est, me voilà suspect à vos yeux une fois de plus. Voyons, je n'ai pas l'intention de vous cacher quoi que ce soit et je vais appeler le restaurant pour qu'on vous remette les clés. Le mieux est que vous y alliez, je vous répète que je n'ai rien à cacher. Mm-hmm. Non, je n'ai rien à cacher. J'en suis certaine. À bientôt, Judy. À bientôt. Merci. Je vous remercie infiniment pour votre considération. À Lorraine, ces jours. À bientôt. Trouvera-t-elle quelque chose? Sergent Warwick, monsieur. Oh, où ça, en ville? Oui, c'est ça, je lui laisse un message, oui, merci. Dites-lui que Kate l'attend dès qu'il pourra venir chez Blick, là où il a trouvé la voiture de monsieur Arnaud. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Max, cette fois, c'est très sérieux. J'ai retrouvé Zeph Arnaud. Il est bien mort.
exact qu'il y a un mort dans ce coin. Mais ce n'est pas F. Arnaud. Oh. Oh, mais je... Oh non, ça c'est pas possible. Je suis restée près de la porte à surveiller l'entrée du frigo. J'ai toujours gardé les yeux braqués dans cette direction. Je n'ai vu personne y pénétrer. Mais à mon arrivée, vous êtes bien sortie. Oh, ça a duré 10 secondes ou 20, pas plus. Max, c'était lui, c'était Zeph Arnaud. Ça, j'en suis certaine. Non. Celui-là s'appelle Oscar C. Riddle. Police privée, regardez. Alors, ce macabre, tu le donnes? Bah, une seconde, mon vieux. Il n'est pas pressé de s'en aller, lui. Eh, dis donc, tu l'as descendu toi-même? Le dessert remonte à tout juste 20 minutes, juste au moment où tu m'as appelé. Oh. Tu sais ce que c'est, Barlow, les choses sont si vite. Oh. J'ai ramassé ça. C'est un étui vide, il semble être du calibre européen. Mais où est-ce que tu as trouvé cette douille? Par terre, près du corps. Du 7,65, ça pourrait bien correspondre à un Moser. Vous êtes calé, dites donc. Il y a 20 minutes? Mais c'est impossible, j'étais déjà sur les lieux, Mike. Et je n'ai pas entendu tirer. Oui, je sais, oui, mais dans ce genre d'endroit, si la porte est fermée, on ne peut rien entendre. Sergent, on a repéré une voiture au coin de la rue. Et d'après les plaques, c'est très certainement la voiture de la victime. Très bien, Jack. Et moi qui croyais rentrer tôt. Ou tu t'ennuierais? Convaincu? Non, pas du tout. Je dis que c'était Zeph Arnaud. En êtes-vous certaine? L'avez-vous bien regardé? Je le connaissais très bien. Je ne l'aurais jamais confondu avec un illustre inconnu. Je cherche la solution. Je ne doute pas de vous. Mais j'essaie de comprendre comment vous avez... Aidez-moi! Sortez-moi d'ici! Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Hé, mon vieux, c'est la police. Oh. Je serais curieux de savoir ce que vous faites ici. Eh ben, j'aimerais bien le savoir aussi. Où on est pour l'instant? Oh, vous êtes toujours là, vous aussi. Expliquez-nous ce que vous faites là. Que se passe-t-il donc? Je n'en sais rien. J'étais dans ma voiture et pendant que je m'arrêtais à un croisement, un type est venu et m'a agressé. Quoi? Comment était votre agresseur? Non, mais je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu avant. Il m'a forcé à changer de voiture et voilà. Et il vous aurait kidnappé? En un sens, oui, c'est ça. C'est le mot, en effet, oui. Et l'agresseur vous a amené jusqu'ici? Bien sûr. J'étais bien obligé. Il avait l'air décidé à me tuer, je n'ai pas eu envie de résister. Nous avons un léger problème à résoudre. Barlow, viens nous voir ici. Une minute. Essayez de vous souvenir. Regardez. Vous avez déjà vu cet homme-là? C'est l'homme qui m'a forcé à monter dans sa voiture, bien sûr. Quelle coïncidence. Mais c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'aimerais qu'on me dise ce qu'il y a. Est-ce que vous seriez détenteur d'un pistolet? J'en ai un. Est-ce que ce serait un 7,65 Moser, par hasard? C'est exact, oui, alors. Où longez-vous? Dans la table de nuit, auprès de mon lit. Quelque chose me dit tout à coup que j'aurais dû garder le silence. Il fallait s'y attendre. Il n'est plus là, hein? J'ai la nette impression qu'on cherche à me nuire. Il ne pourrait pas être ailleurs? Le 765. Oh non, non, jamais je ne l'ai sorti d'ici et j'ignore s'il fonctionne. Oh, soyez rassuré, il a l'air en bon état. J'aimerais bien chercher un peu, si ça ne vous ennuie pas. Oh, pas du tout. Vous auriez très vite un mandat de toute façon. Exact. Bien que je ne vois pas quel genre de choses il va trouver en cherchant ici. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Je viens de subir une aventure comme on en voit tous les jours au cinéma. C'est déjà bien, non? J'arrive ici, mon pistolet a disparu, ça continue. Et notre super enquêteur a l'air de m'accuser de meurtre. Et vous, vous demandez pourquoi? Soyons sérieux. C'est à moi de le demander. C'est que j'ai pas le droit de laisser entrer des particuliers. Je viens de vous remettre une autorisation écrite, relisez-la. Je sais, mais moi j'ai reçu des ordres. Il y a peut-être bien des empreintes dans ce frigo. Faut les laisser intactes. Écoutez, je n'ai pas l'intention de toucher à quoi que ce soit ici. Bon, alors, si vous me jurez de toucher à rien du tout... Vous avez ma parole.
Si vous voulez être bien gentil, vous restez là et vous gardez la porte grande ouverte. On va faire la reconstitution. Merci. Allons-y, Stuart. Arrange les affaires de Jenny. Je suis là. Je suis là, assis sur ce coin de table. J'entends Mike approcher. Je vais donc passer dehors. Il me demande ce qu'il y a. Je lui réponds. Je lui dis d'entrer. Toute la scène a duré juste 8 secondes, disons 10. Attention, Stuart, tu vas faire Oscar Riddle. Viens. Tu vas prendre place en face dans l'encoignure. Jenny, viens. Tu vas t'asseoir là. Ah, il fait froid. Toi, tu seras Zeph Arnaud. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? Prêt, Stuart? Oui, ça y est. Alors attention, 1, 2, 3, partons. Bang, vous êtes morte. Ça fait 17 secondes, ça ne colle pas. On le refait encore, allons-y. Reviens t'asseoir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt. Bon, alors attention, allons-y. Vite, vite. Bang, morte. Oh, ça donne 16 secondes. Ah non, c'est pas possible, ça s'est pas déroulé comme ça. Il y a sûrement une autre solution. Et je crois que j'ai ce que vous cherchez. Mike, vous m'écoutez une minute? Je crois que j'ai presque la solution à notre affaire. Oh, moi, j'ai encore mieux que ça. Faust m'a remis son Moser. Quoi? Il y a une heure, oui, il est venu jusqu'ici et il me l'a donné. Il était, semble-t-il, quelque part dans son restaurant, je ne sais pas où. Il vous l'a donné sans rien dire? Avec la plus honnête des innocences. Il lui semble que quelqu'un veut sa perte. Oh, ça, ça se pourrait. Oh, ça, c'est à voir. Cet Oscar Riddle, le privé, est mort dans le frigo. On a épluché ses affaires en détail et on a su que Faust avait été un de ses bons clients il y a environ un an d'après l'échec. Teddy Faust? Et Teddy Faust qui nous a déclaré ne l'avoir jamais vu avant. Et vous pensez qu'il ment? Ça paraît évident. J'en aurai pour une minute. D'accord, j'écoute votre version. Zeph Arnoux est un vrai connaisseur en matière de vin. Il a une grande habitude, il sait ce qu'il boit. Alors attendez, si on sait que l'Escoden Colline laisse une amertume très forte au goût. Mon Dieu, je me suis stupide, j'aurais dû vite comprendre qu'il n'aurait jamais avalé du vin si mauvais. Il l'aurait jeté tout de suite et dans ce cas, il ne l'a pas ingurgité. S'il n'a pas ingurgité ce vin, il n'aurait pas dû mourir, c'est ce que vous voulez dire? C'est pourtant ce que vous avez affirmé. Ce n'était qu'une mise en scène, simplement pour nous égarer. Qu'est-ce que vous me racontez là, Kate? Riddle m'aura suivi pendant 2 ou 3 jours. C'est la seule explication. C'était qu'une mise en scène. Je me suis trouvée là tout le temps par coïncidence. Je n'en crois rien. C'était un coup monté. Peut-être. À la minute où j'ai posé les yeux sur la porte du frigorifique, Riddle est entré lui aussi. Il est allé à la chambre froide dire à Arnaud, attention, la voilà. Arnaud était déjà à l'intérieur, je l'y ai vu, une minute plus tôt. Il faisait le mort, avec ses lunettes givrées. Il tue Riddle, avec le Moser de Faust. Pendant que je suis sortie, il sort. Personne ne l'a vu. Et il nous a possédés. Il n'avait pas le temps d'en faire plus. Une mise en scène, je vous dis, j'en suis sûre, pour me faire croire que Zeph était la victime. Kate, pourquoi Arnaud aurait-il fait ça? Et pourquoi c'était dit fausse, tout simplement? C'est évident, non? Bon, ça y est. La balle que j'ai en main sort de l'arme qui a tué Oscar Riddle. Oh, j'ai raison! Rien ne l'indique clairement. Mais pourquoi en douter? Un chantage, c'est très plausible aussi. Oh, quel chantage? Vous vous égarez. Bon. Un détective privé enquête sur quoi? Il cherche une relation entre Faust et Judy Arnaud. Bien sûr, il la trouve. C'est aussi simple que ça, non? Oh, d'accord. Si on veut plus simple encore, on pourrait essayer le coup de la vengeance. La vengeance? Mais de qui et surtout contre qui, d'après vous? De Zeph Arnaud. Son épouse a affirmé qu'il était jaloux, que c'était Jekyll et Hyde. Je suis prête à croire qu'elle avait raison. Je crois qu'il a monté toute l'affaire. C'est lui l'instigateur. Zeph Arnaud, l'assassiné? L'homme que vous disiez être mort, alors que moi, je vous disais le contraire, jusqu'à nouvel ordre, il n'est que disparu, Kate. Alors, supposons une chose, rien qu'une supposition. Si Zeph se rend compte que sa femme, Judy, est la maîtresse de son ami et associé, le coup classique, c'est connu. Dans ce cas, Zeph l'aurait tué net sans se perdre en complications. Non, surtout si Zeph est aussi dingue qu'ils le disent. Voyons, les dingues ne font pas des choses aussi incohérentes que ça. Je suis certain que Faust est le meurtrier. Ah, quelle serait l'explication dans ce cas? Que faisait Arnaud dans le frigorifique, Kate...
Je ne refuse pas de croire, mais amenez-moi Arnaud et alors nous pourrons en discuter. Teddy, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis assis, je bois. Et personne ne travaille? Zef est je ne sais où. Je n'ai rien pour régler les factures. Je suis soupçonné d'avoir tué quelqu'un. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Du château Latour, rien que ça? Je ne vois même plus quelle année. Teddy, c'est ridicule. Il faut rouvrir le restaurant, voyons. Oh non. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi n'y a-t-il plus de personnel? Parce qu'elle est partie aussi. C'est elle qui était le pilier du restaurant. Je vous l'ai dit. La cuisinière? Elle nous a lâchés. Eh bien, ça ne fait rien. Il faut se débrouiller. Est-ce que vous réalisez qu'il y a une personne qui veut ma peau? Kate, il y a une personne qui attend l'occasion de me descendre. Teddy, depuis quand n'avez-vous pas mangé? Est-ce que je sais? Vous allez être malade. D'ailleurs, j'ai faim aussi. Je vais arranger ça. Je vais aller nous faire un gros steak. Non. Teddy, il faut manger un peu. Voyons où c'est. C'est là-dedans. Surtout, ne bougez pas d'ici. Du château Latour. Vous n'êtes pas difficile. Teddy, venez voir vite. J'ai pas faim, je vous assure. Teddy, rien qu'une seconde, je tiens à ce que quelqu'un soit là et soit témoin. C'est ce que je vous disais. Quelqu'un veut m'avoir. Alors, les résultats. Zef Arnaud est décédé après avoir dîné. Très peu de temps après avoir dîné, un repas assez lourd. Et il a sans doute ingéré de la salade, de la viande en ragoût avec du riz, de la bière. Oui, c'est bon ça, mais il est mort de quoi? Oh, ça demeure vague, une asphyxie ou un accident cardiaque, mais on ne sait pas. Drolin, ça ne vous rappelle rien? L'escoden colline. Oui, c'est une indication. Ça pourrait être ça, je vais vérifier. Oui, merci, John. Alors, où en sommes-nous, sergent? Ce chantage a toujours priorité? C'est surtout la pagaille qui l'a... La solution est simple, non? D'accord, Kate. Que faut-il faire? Que je mange mon insigne? Non, ça ne presse pas. Attendons quelques jours. Merci. Où allez-vous? Eh bien, je vais vérifier des détails sur la cuisinière et sur Judy Arnaud, sur leur emploi du temps hier. Mike, ce qu'il nous faut, c'est surtout un mobile. Il faut bien qu'il ait fait ça pour... Oh, où avais-je la tête? Je n'aurais pas dû laisser passer un détail comme ça. Bon sang, quelle bêtise j'allais faire! Est-ce que vous vous y connaissez dans ce domaine? Ah non, pas du tout. Eh bien, tout d'abord, ça n'est pas un fonds de garantie ordinaire. Il y a plusieurs compagnies qui ont signé l'aval. Oh, une petite seconde. Dans le protocole, on a parlé, semble-t-il, d'argent liquide. Ah oui, bien sûr, mais on ne peut pas laisser une pareille somme inutilisée. La garantie représente un très gros capital et il ne serait pas normal de ne pas en tirer des intérêts. Ah oui, je suppose que c'est naturel. Alors, on s'arrange évidemment dans ce cas pour qu'il soit récupéré très vite si nécessaire. Où faut-il que j'aille? Attendez, je vais vous y mener. Merci. Je n'en sais rien. Sur la garantie, oui, je viens de l'entendre. Elle est là depuis quelques instants à poser des questions. Tu as dit que je devais téléphoner, alors... Ils ont réussi, Mike. Ils ont pris l'argent en totalité, tout l'argent de la garantie. Je voudrais bien savoir qui sont ces « ils ». Après une journée de longue recherche, je peux vous annoncer, sergent, que je n'en sais rien. Mais si je ne sais pas qui a retiré l'argent, je suis certaine au moins qu'il n'est plus là. Voilà un exemplaire de l'autorisation de retrait.
Oscar Riddle. Je l'ai vu sur un microfilm en chèque, un gros chèque de 500 000 dollars, payable à l'ordre d'Oscar Riddle. Ça remonte à 3 jours, et il y a 3 jours, ce monsieur était déjà mort. Ou plutôt non, il était tué il y a juste 3 jours. Qui lui aurait confié la garde d'une pareille somme d'argent? Personne, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Et lorsqu'on a un mort sur le dos, que peut-on en faire? Eh bien, on va le refiler à Teddy. J'ai du mal à croire ça, quand même, non? Si j'en crois votre version des faits, Arnaud aurait pris l'argent. Attention, la moitié. Rien qu'un quart de million, le reste est son propre argent. Oh, un petit quart de million, c'est peu de choses. Donc, il aurait alors remis l'argent à Riddle. Parce que l'argent devait être blanchi. Petite opération de lessivage. Riddle devait jouer les blanchisseurs, échanger le chèque de façon à ce que personne ne sache où il serait passé. Quant à la signature de Teddy, Arnaud l'a eu sans qu'il s'en rende compte. Il avoue lui-même ne rien comprendre à ça. Un gros chèque d'un côté, un gros chèque de l'autre, le tour est joué. Oui, ça se peut bien. Je suis certaine que j'ai raison. Il nous reste un détail encore. Qui a eu l'idée de tuer Arnaud? Pas de mystère, je pense. Teddy Faust. Pour une femme et 500 000, il y en a qui seraient prêts à le faire. Et c'est sûrement à ça qu'a dû penser Zeph Arnaud. Pourquoi? Parce que lui aussi veut de l'argent. Il a tout mis dans cette affaire. Pour s'enfuir avec une femme, il faut de l'argent. Aller se faire une autre vie, loin ailleurs, sous une nouvelle identité. J'ai le regret de le dire, puisque c'était un copain, mais c'est lui qui a fait ce coup. Ça se pourrait, mais c'est bien compliqué. Ça valait la peine pour une jeune dame et un gros paquet. Dommage, bien sûr, que Riddle y soit resté, il était au courant. On pourrait peut-être aller chercher dans ses affaires ou dans son bureau. On l'a déjà fait, on n'a rien trouvé du tout. Alors où aurait-il mis l'argent? N'en ai hélas aucune idée. 500 000, ça tient de la place. Il a dû le mettre au frais quelque part. C'est ça, oui. Oh, il n'aurait pas eu l'idée de... Et je suis sûre que si. C'est sûrement là qu'on va le retrouver. Peut-être qu'Arnaud allait récupérer son petit magot et que je l'ai surpris en venant, moi et mes gros sabots. C'est une idée ridicule. Je me sens gêné rien que de penser qu'on va avoir à faire ses recherches. Mike, allons-y. Eh bien. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous a attaqué? Assommé, je vous en... Allez, on y va. J'appelle du secours. Ici 2X53, je demande assistance. Poursuis un suspect de meurtre. Circule dans une Mustang rouge sur la portion ouest de Vanowel. Envoyez une ambulance au frigorifique Blick. 2100 avenue Sotikoy. Eh ben, ça fait un joli paquet. Ça ne m'étonne pas que ça les gêne pour courir.
Alors, buvez un verre. Sachez qu'il arrive que ce ne soit pas drôle d'avoir raison, Joss. Oh, ça alors, je le sais. Oh, je vous en prie. Et voilà, regardez ça, Kate. C'est une de nos spécialités, une création du nouveau chef. Vous en avez la primeur, vous jugerez. Ça me paraît être une merveille si j'en crois l'odeur. Vous me donnerez votre avis, Magnifique, vous avez déniché un vrai chef, alors. Jurez de ne le dire à personne, c'est un secret. J'ai engagé le garçon du bistrot qui fait le coin de la rue. Oh, il sait faire la cuisine? Oui, il dit être le baron Grigori Polchevski, descendant du tsar. Il a du génie. Mais vous avez confiance en cet homme? Oh, on ne sait jamais avec les chefs, les tsaristes en particulier. J'ai vu leur commander un steak et il m'a porté du bortsch. C'est délicieux, ça. Le baron est en effet génial. Oh, je sais, mais ce n'est qu'une solution de rechange. Ça ne vaut pas notre cuisinière, hélas. Vous auriez sûrement adoré ces salades. Oh, alors ça, t'es dit, j'en doute. Zef Arnaud en avait mangé avant de mourir. Je crois qu'elle détestait tout le monde. Zef s'y connaissait en matière de haine. Il n'aimait personne. Il a essayé de se venger de vous parce qu'il était jaloux. Mais le détective privé y a laissé la vie. Il n'a jamais songé que la cuisinière pourrait le posséder. Sans doute. C'est curieux, l'amour. Quelquefois. Ah, le vin. Je suis allé personnellement le choisir pour vous à la cave. Oh, mais attendez une seconde. Mouton Rothschild, 1961. C'est celui qui est à l'origine de toute l'affaire. Vous n'avez toujours pas confiance. Oh. Bon sang! Ça n'est qu'une plaisanterie. Je ne sais plus où juste quoi en penser. Soyons prudents, Joss. Appelons un docteur et la police. Touché!